Le RHDP d'Alassane Ouattara sont pitié pour Albert Mabry-Touré Kessé. La séparation est désormais confirmée. Voici le pourquoi. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Le divorce avec l'un des derniers alliés semble être définitivement consommé entre le Rassemblement des Oufotistes pour la démocratie et la paix et l'UDPCI du président Albert Mabry. Depuis le dernier réaménagement dernier du gouvernement marqué par la surprenante absence du brouillant président de l'UDPCI, que les rumeurs soupçonnaient de vouloir lui aussi quitter le navire RHDP après le départ du PDCI de Bédié, du MFA d'Anaki et de Guillaume Soro. En effet, l'on pensait que Mabry, débarqué du gouvernement, serait propulsé à un autre poste car ces derniers jours, une rencontre de rapprochement et de mise au point a été organisée entre les responsables du parti unifié et Mabry pour harmoniser les divergences pour mener ensemble le combat pour une victoire au soir de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Mais un communiqué du directeur exécutif du RHDP vient confirmer cette séparation d'avec Albert Mabry par la mise en place de la coordination RHDP de la région du Tampi sans le président de l'UDPCI. Parmi les personnalités nommées pour conduire les activités de ladite coordination se trouve Albert Findé, le nouveau ministre issu de l'UDPCI. Il épaulera donc Siki Blanc-Blaise et le ministre Sidiki Konaté qui furent dernièrement désignés.